Derrière la montagne habitent également des gens. Sois humble, tu n'as rien inventé ou pensé qui n'ait déjà été pensé ou inventé par d'autres. Et si cela t'arrivait, considère que c'est un présent qui te vient d'en haut et qu'il te faut le partager avec autrui. Bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons un troisième épisode qui sera le premier consacré à expliciter la démarche ayant conduit à la démonstration. Pour ce faire, nous allons d'abord nous intéresser à l'essence même du problème posé par Goldbach, c'est-à-dire les nombres premiers, leur nature et leur fonctionnement. En guise de préparation à l'arrivée prochaine de la démonstration, cet épisode propose des notions et concepts inhérents à son processus, présentés sous forme graphique, texte et illustration qui défileront au son de la musique des variations Goldberg de Bach, et sur lesquels il vous est loisible, bien sûr, de vous arrêter ou de revenir le temps qui vous convient. Cela permettra peut-être à certains d'entre vous de déjà comprendre ou découvrir le mécanisme de la démonstration, mécanisme qui sera dévoilé dans les prochains épisodes, pour lesquels nous vous demandons un peu de patience, le temps de leur réalisation. Bonne découverte.
Voilà, j'espère que cette démonstration, enfin cette présentation plus exactement, vous aura intéressé. Et j'espère également vous retrouver très bientôt pour l'épisode numéro 4.